C'est une curieuse histoire d'arbre généalogique qu'il va nous être raconté aujourd'hui, avec son lot de branches abandonnées, de greffes régénérantes et de souches incontournables. Cet arbre, c'est celui d'Eric Giacometti, un homme qui aime les mystères et qui a décidé d'enlever quelques-uns avec ou sans filtre. Waouh! Bienvenue dans votre vie, Eric. Hallucinant. Giacometti. Hallucinant, carrément. Ah oui, carrément, carrément. Franchement, c'est... ça me touche, hein. Non, vraiment. Hein. Ah bon? C'est émouvant. Bah, ces photos, je les avais dans des albums photos, des vieux albums photos, et tout d'un coup, de les voir comme ça, c'est... Non, c'est un choc. C'est un choc. Alors, je me contiens quand même, parce que j'ai une moitié de sang corse, donc il faut rester... voilà. Allez, venez avec moi. On va commencer le début de votre histoire ici, bien sûr. Et le début, approchez-vous. C'est avec lui que ça se passe. Ah, le grand-père. Alors, ce grand-père, Joseph. Voilà, de grand-père, c'était à Casablanca. C'était un cabaret qui s'appelait le Negresco. Vous savez, c'était une ambiance un peu... Vous savez, le film Casablanca avec Humphrey Bogart et tout. On est dans les années, un peu dans les années 40, un peu 50. Et voilà, c'était... Lui, il était maître d'hôtel. C'était l'endroit de passage à Casa du temps où les stars arrivaient. Donc lui, il les accueillait. Il était dans toutes ses fêtes. Et effectivement, c'est une légende un peu dans la famille. Moi, je ne l'ai jamais connu. Puisqu'après, mes grands-parents se sont séparés. Mais à travers lui, voilà, c'est toute une époque qui ressurgit. On va voir. C'est quasiment une photo de film. Je ne sais pas qui est cette femme. Je n'ai jamais su. C'est pas votre grand-mère. En tout cas, ce n'est pas votre grand-mère. On va la retrouver tout à l'heure, votre grand-mère Mireille. Mais avec votre grand-mère, ils ont eu une petite fille. Oui. Et on la voit là. Voilà, ma mère, ma maman, Zdenka. Ça, c'est une photo. Alors, bon, je vous dis, c'est ma mère, je l'adore. C'est pas un truc, mais c'est important quand même, la mère. Complètement. D'accord. Bon. Et en fait, elle a toujours adoré cette photo. Elle a un petit côté Audrey Hepburn. Et à l'époque, ce qu'elle me raconte toujours, c'est qu'elle était un peu en décalage avec les canons de beauté de l'époque. Ce n'était pas encore l'époque Audrey Hepburn. Donc, c'était plutôt l'époque des femmes un peu, les stars de cinéma un peu plantureuses et tout. Et elle était un peu plus dans le canon, un peu plus, on va dire, français de l'époque, un peu parisienne et tout. Elle cultivait un peu ce look. Et voilà, donc, et ça, c'était aussi à Casablanca. Et quelle mère c'était, alors? C'est en tout cas. Une mère extrêmement qui lisait beaucoup, donc elle m'a donné la passion des livres, à la fois de très éclectique en matière de littérature. Elle se réfugiait dans les livres souvent, c'était vraiment son espace à elle, donc la bibliothèque était très grande, et il y avait de tout. Et là-dedans, il y avait des bouquins sur les grands mystères. Ah, d'accord. Et Zdenka, sur le continent, elle rencontre... Christian. Le clan corse. Alors, le clan corse, voilà. Vous embauchez en rapoué, le clan... Eux aussi venaient du Maroc, mais c'était ce qu'on appelait les Corses des colonies. Vous savez, c'est les Corses qui rentraient dans l'administration et qui tournaient entre l'Indochine, le Maghreb et tout. Donc le grand-père commissaire, le fils, lui, qui, bah, pareil, il faisait ses études de droit. Donc il rentre pareil en France et là, il rencontre ma mère. Et je crois qu'il s'était connu un peu à Casablanca. Coup de foudre. Et voilà, et résultant de ce coup de foudre, cette petite chose... Vous avez vu les cheveux? Ouais. Non, mais j'étais. Quand je suis sorti du ventre de ma mère. Avec tous ses cheveux. Non seulement j'avais tous ses cheveux, mais elle a eu peur parce que les infirmiers retour ont eu un mouvement de recul. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Ah bon? Vraiment, elle m'a raconté ça. Oh, pardon. Non, oui. Non, là, honnêtement, j'étais pas le prototype du bébé arien, là, faut bien le dire. Surtout que votre papa est blond en plus. Oui, alors en plus, là, il apparaît brun, mais il était châtain clair. Et donc, voilà, heureusement, après, j'ai perdu mes cheveux, mais je suis sorti avec cette tignasse. D'accord, vous avez fait peur aux infirmières. Et donc, comme je disais, il y a tout le clan corse qui débarque, oui. quand vous naissez. Là, il y a même l'arrière-grand-père qui vient de porter, voilà. De la famille Giacometti. Absolument, c'est la seule photo que j'ai. Après, j'ai plus rien. Regardez le chapeau, habillé en noir, il y a tout, quoi. C'est typique, mais vous n'avez plus rien pour une bonne ou une mauvaise raison aussi, Eric. C'est que 6 mois après cette photo, votre papa va s'en aller. Alors non, c'est ma mère qui s'est barrée. D'accord. Elle avait reçu une baffe. Ah, effectivement. Elle m'a raconté ça. Alors, je n'ai qu'une version de l'histoire. Mais un jour, je ne sais pas ce qu'elle avait fait. Elle a reçu une baffe. Déjà, ça commençait à être tendu entre eux. Et elle m'a pris sous le bras. Elle est partie. Et donc, voilà. Après, progressivement, je l'ai vu les week-ends. Et puis, ça s'est estompé. À partir de 6-7 ans, il a disparu.
et il a disparu complètement de votre vie. Complètement. Vous ne savez même pas aujourd'hui s'il est vivant ou mort, votre papa. Du tout. En revanche, j'ai découvert... Des choses, mais ça, c'est pas encore pour maintenant. D'accord. Parce que vous grandissez là, au milieu, approchez-vous, avec vos nounours. Eh oui, mais avec, nounours, voilà, les, ça c'est... Seul, hein, bien sûr. Hein, oui, fils unique. Alors, voilà, ça, c'était... nous étions à Antony, banlieue parisienne. Je me souviens du nom, c'était Micha, en bas. Nipelé, au milieu, et le troisième, je ne sais plus. Voilà, ambiance. Mais vous grandissez dans un milieu de femmes, parce qu'il y a votre mère, effectivement, Zdenka, et il y a sa maman, Mireille, qui, elle, est d'origine espagnole. Voilà. Alors là, c'est l'être solaire, on va dire, c'est son surnom, mais personne ne l'appelait Mireille, tout le monde l'appelait Mamali. Mamali. Et qui, vraiment, bouffait la vie à pleines dents. Elle est morte 6 mois avant sa mort. Elle dansait le flamenco à 82 ans. Ça lui était fatal. Mais voilà, jusqu'au bout, c'était quelqu'un qui captait la lumière. Elle m'a donné cette joie de vivre, en fait. C'est quelqu'un qui transmettait beaucoup, qui n'était pas forcément, qui ne lisait pas beaucoup. C'est un peu le contraste avec ma mère. Elle s'entendait pas forcément beaucoup. D'accord ça dépendait, avec sa voilà, fille. Ça dépendait, plus ou moins. Ouais. C'était un peu chien et chat. Mais voilà, et puis c'est elle qui m'a fait découvrir l'Espagne, puisqu'on allait tout le temps, toute ma jeunesse, je suis allé en Espagne, plus qu'en Corse d'ailleurs. On va le voir justement. Voilà. Regardez, l'Espagne, elle est juste à côté, allez-y. On se retrouve de l'autre côté de l'arbre. Effectivement, l'Espagne, ces photos sont magnifiques, je vous en prie. Alors ça, on pourrait se dire, c'est pas l'Espagne, mais en fait, c'est à côté d'Almeria, à Tabernas. C'est là où ont été tournés tous les western spaghetti de l'époque, dans les années 60-70. Pour une poignée de dollars, Le Bon, La Brute, et tous les grands westerns italiens, les Sergio Leone, c'était là-bas. Et il y avait des tournages tout le temps. On en produisait, mais à la chaîne. Et quand les touristes arrivaient, on prenait un train, et parfois, les figurants, pour se marrer, arrivaient et arrêtaient les trains. Ah oui ? Comme une attaque, vous voyez ? Et donc, j'étais là. Alors là, c'est ma mère qui m'a raconté, puisqu'on ne la voit pas sur la photo. Et tout d'un coup, voilà. Et moi, j'étais terrorisé, parce que j'avais l'impression, je devais avoir 4 ou 5 ans. Et il y a une autre photo, donc on ne voit pas les acteurs. Je ne sais pas qui a pris cette photo de merde, parce qu'on ne voit pas la on voit pas la taille. Mais ce qui est malheureux, c'est que j'ai une autre photo où je suis en train de pleurer. Je suis dans les bras d'un cow-boy, oui. Et je lui pisse dessus. Et ma mère me dit, je crois que tu es le seul être au monde à avoir pissé dans les bras de Clint Eastwood. Ah d'accord. Mais je ne pense pas que ce fut Clint Eastwood. La légende, en tout cas. La légende, je me dis que peut-être. J'ai fait pipi sur Clint Eastwood. Donc, une enfance heureuse, malgré l'absence de ce papa. Oui, complètement. Oui, complètement. Heureuse, riche, riche dans le sens émotionnel. Mais je n'ai que d'excellents souvenirs. J'aimerais vous inventer une jeunesse de souffrance et de turpitude. Non. Ça n'existe pas. Non. Et ce qui est propre à la jeunesse, c'est l'arrivée de passions subites. Oui. Et on ne va pas en parler là, de cette première passion. On va en parler là-bas. Vous venez avec moi ? Allez. Prenez place, Eric. Magnifique. Oui. Superbe. Et donc, comme je le disais, on est en première passion. On est en 1975, vous avez 12 ans. Et vous regardez la télé. Il y a la télé. Il y a ça qui vous marque. Oui, en fait, à l'époque, ce sont les événements d'Aléria. Ce sont la prise d'otage dans cette cave viticole. À l'époque, moi, j'ai 12 ans, ensuite 13, 14. Là, pour le coup, c'était un peu une adolescence solitaire. Je m'appelle Giacometti et en fait, au collège, on m'appelait spaghetti, macaroni. Il y avait une sorte de, je ne vais pas dire du racisme parce que ce n'est pas trop, mais j'étais différent. Et mon père n'était plus là. Et je me sentais un peu en décalage. Je ne me sentais pas français, en fait. Voilà. Il y avait quelque chose de spécial. Et je vois ça. Et au fil des événements,
Je vois que ces gens-là, là, qui se prisent d'otages, et ensuite ces gens qui se mettent en cagoule, ces gens font peur. Ces gens font peur à la République. Et moi, en ado, vous savez, quand vous êtes ado, vous avez besoin d'une figure, vous avez besoin de héros. Et moi, c'était pas Che Guevara, ça a été ces types qui se mettaient des cagoules. Mais à l'époque, je comprenais rien. Je voyais juste des types avec des armes et tout. Je me disais, waouh! Et du coup, bah, vous savez, quand vous êtes ado, vous êtes un peu mytho. Et j'ai commencé à m'inventer une sorte de famille corse que je n'ai jamais eue, et je leur ai dit, parce qu'on me faisait chier en cours, je dis, ça continue, moi j'appelle ma famille en Corse, vous savez, c'est eux, c'est le FLNC, c'est ceux que vous voyez à la télé, et j'avais demandé à ma grand-mère de me faire une cagoule comme ça, histoire, et pour la montrer en disant que c'était vrai, voilà. Et ça a été mon premier contact. Ça a marché. Ah, ça a marché. Alors là, ils n'ont pas moufté le gros de la bande là, qui faisait le caïd, il me regardait après différemment, il avait dû en parler à ses parents, parce que pour lui, FLNC, ça ne voulait rien dire. Et du coup, il y avait une sorte de respect. Mais vous imaginez, quand vous êtes ado, ce genre de choses. Alors, bien évidemment, après, j'ai fait la part des choses et tout. Mais ça a été vraiment marquant. C'est-à-dire, la Corse, tout d'un coup, a refait surface à travers, via ces événements. Voilà. Parce que vous l'aviez mise un petit peu de côté, la Corse, justement. Parce que votre père vous abandonne, donc vous abandonnez ses origines aussi, finalement, quelque part. Complètement. Moi, mon arbre généalogique corse, à partir du moment où mon père m'a laissé tomber, je l'ai scié. J'ai pris la tronçonneuse et je l'ai scié, l'arbre généalogique corse. Je ne voulais plus en entendre parler. Mais je vais vous dire, j'ai su après que ma mère avait fait pareil avec l'OAS, puisqu'elle a été côté pied noir, et pour empêcher qu'à un moment donné, en France, on lui marche sur les pieds, elle avait dit qu'elle était pro-OAS, et là aussi, on l'avait laissé tomber. Quoi. Et puis, il y a la photo derrière vous, à 14 ans, je crois. Hein. Là, vous êtes dans la neige. Je pense 15, je dois être 15 ans. Là, c'est la celle qui... Ouais. Ah, oui, 15-16 ans. 15-16 ans, vous déménagez sur Toulouse. On est à Toulouse. Vous arrivez sur Toulouse, avec la grand-mère qui suit, toujours. La grand-mère qui suit, voilà. Période un peu curieuse, dans le sens où... Enfin, un peu curieuse, en tout cas révélatrice, parce que là, vous allez dans la bibliothèque de votre maman et vous tombez sur ce genre de livre. Voilà. Et là aussi... Alors, deuxième passion, en tout cas, vraie révélation. Là. Oui, là, c'est, tout d'un coup, c'est le mystère qui arrive. Alors, cette période-là, elle est très drôle. À l'époque, j'étais, je pense qu'on peut l'appeler, un rebelle capillaire. Donc, mais à côté de ça, je me sentais toujours en décalage avec la réalité. Voilà. Moi, j'aimais les films hollywoodiens, j'aimais le grand spectacle. Et quand vous vivez avec une vie certes agréable, mais une petite vie, tout vous paraît étriqué, tout vous paraît gris, même si vous habitez Toulouse. Et je tombe sur ces bouquins et on me parle d'histoires de trésors de Templiers, d'alchimie, de quête du Graal, de soucoupes volantes, tout ça. Et tout d'un coup, en vous disant, mais c'est peut-être vrai tout ça. Et là, ça vous ouvre des portes, ça fait comme si j'étais, vous savez, dans un monastère avec des petites cellules, et vous entr'ouvrez la porte et tout d'un coup, vous avez un paysage merveilleux qui s'offre à vous. Et le paysage, c'est même celui-ci. Parce que vous n'êtes pas n'importe où, justement. Autour de Toulouse, il y a le pays Qatar. Absolument. Absolument. Et là aussi, pareil, ce que vous imaginez dans les livres, vous l'imaginez aussi à travers le paysage. Ce sont on appelle ça les citadelles du vertige, en fait, les châteaux Qatar. Vous avez une série sur des apiques, voilà, ces citadelles du vertige. Mais à côté de ça, il y avait un mystère aussi spirituel. Les Qatars auraient trouvé le Graal, auraient trouvé un trésor fabuleux. Donc avec mon co-auteur Jacques Raven, que j'ai connu à cette époque, eh ben on partait sur les chemins de l'aventure. On était des Indiana Jones aux petits pieds. Et vous n'avez jamais rien trouvé ? Une amitié. Vous avez découvert l'amitié, oui. C'est beau, c'est encore plus précieux ça. J'aurais préféré être le grand. Vous découvrez l'amitié, effectivement. Et puis justement, j'ai mis la photo d'à côté, où vous êtes un petit peu rebelle capillaire vers 16-17 ans. Comme vous n'êtes pas riche parce que vous avez trouvé un trésor, il faut trouver un métier. Ouais. Et donc, vous inscrivez à la fac, hein, à 18 ans. Vous voulez faire médecine d'abord, je crois. Médecine que je rate avec les honneurs. Ouais. Voilà. Ensuite, je fais une fac de biologie. Oui, et puis surtout, vous avez rencontré quelqu'un qui a dit « Allez, on quitte Toulouse » et vous êtes allé vivre à Paris, du coup. Hein. Voilà. Arrivé à Paris, vous arrivez qu'avec votre diplôme, pas de métier en vue. Et vous commencez un petit peu à faire une formation de journaliste, à piger à gauche, à droite. Et puis vous pigez pas trop mal, tant et si bien que vous êtes embauché un jour au Parisien. Et quand vous arrivez au Parisien, c'est là où l'histoire est aussi intéressante, c'est que vous tombez. Très curieuse histoire. En fait, ma mère m'avait dit que mon père avait été journaliste et tout, mais voilà, j'avais pas trop d'éléments. Je sors un bouquin chez Albin Michel sur une affaire de santé publique. À l'époque, j'étais journaliste d'investigation santé. Je fais un plateau télé et le lendemain, une dame m'appelle
disant bonjour, voilà, j'habite Saint-Brieuc, seriez-vous le fils de Christian Giacometti? Je dis ça dépend, c'est pourquoi, c'est quel sujet? Elle me dit, ben non, mais en fait, vous savez, il a eu un enfant avec ma fille, vous avez une demi-sœur. Je dis, ah bon? Elle me dit, c'est pourtant lui qui vous a embauché au Parisien. Je dis, comment ça qu'il m'a embauché? Ben, vous savez pas, il était journaliste au Parisien. Waouh! Et là, j'ai sorti, je suis allé voir mon rédacteur en chef qui m'a sorti le dossier de mon père. Et je découvre que mon père avait été journaliste au Parisien, au ministère de l'Intérieur. À l'époque, le Parisien avait un bureau au ministère. C'est incroyable. Vous qui avez scié la branche de l'arbre généalogique, oui. En fait, vous l'avez suivi quand même, cette branche, puisque vous faites le même métier que lui, en fait. En fait, c'est comme si vous aviez, voilà, la branche, ouais. Ici, il reste une souche dans le jardin. Et tout d'un coup, vous avez des plantes qui poussent. Incroyable. Ça revient de l'autre côté, voilà. Mais lui était au service fait divers, lui, hein, fait diversier. Voilà, alors police. Police, puisqu'il était avec le ministère de l'Intérieur, voilà, effectivement. Il suivait toutes les affaires, mais les journaux avaient des bureaux au ministère. Et vous êtes dans une toute autre branche, vous l'avez dit. Vous êtes au service enquête. Et enquête, et avec, grâce à votre diplôme en biologie, vous êtes non seulement au service enquête, mais vous vous spécialisez dans ces enquêtes un petit peu de santé publique, dans ces scandales qu'il y a à l'époque, on est en pleine période du sang contaminé. Et c'est ça votre spécialité, hein, Eric ? La médecine qui fait mal. La médecine qui fait mal. La médecine qui tue. Voilà, c'était ça mon job. J'étais là pour... J'étais là pour sortir des affaires, et particulièrement contre les labos pharmaceutiques. C'était ma feuille de route. Vous sortez, effectivement, vous en sortez de très grosses. Et est-ce que c'est là que... Enfin, oui, c'est là que naît un début de vocation. Parce que, suite à une affaire... Alors, je ne sais pas quelle affaire, vous sortez ce petit livre-là. Enfin, ce livre. Petit parce qu'il ne s'est pas tellement vendu, en fait, non, peut-être. C'était un vide total. C'était des fleuves noirs, là, ils ont fait... Non, en fait, j'étais au journal, et l'éditeur me contacte. Ils avaient une collection qui s'appelait Polar Santé. En fait, il fallait adapter des véritables scandales, mais sous forme de fiction, pour éviter les procès. Bon. Et moi, j'avais un scandale qui me tenait à cœur, des pacemakers tueurs. C'est-à-dire qui a fait flop. Ça a fait... Mais alors là, vous savez, vous sortez des affaires, des fois, ça fait flop. C'est des pacemakers. Vous avez le pacemaker, et une fois sur 10 000, ou je ne sais plus combien, l'électrode se casse et transperce le cœur. Je me retrouve avec des victimes qui, soit vous décidez de garder cette merde en espérant que ça ne casse pas, soit vous l'explantez. Et le problème, c'est qu'en explantation, vous pouvez mourir, parce qu'il y a des risques d'y rester. Et j'en ai fait un polar. Premier bouquin, voilà. Ma première fiction. Que je n'ai pas lu. Je ne peux pas vous dire s'il est bien ou pas, mais effectivement, par contre, il n'a pas trop marché, celui-ci. Non, effectivement. On a dû en vendre 400 exemplaires. Je suis venu après Martin Winkler, qui lui avait très bien vendu. Mais ma foi, ça m'a donné le goût du polar. Et oui, parce que, en tout cas, ça vous a donné le goût d'écrire. Oui. Parce que quelques temps après, vous sortez... celui-ci. C'est pas très bien vendu non plus. Non, c'était avec Berkoff à l'époque, c'était un ami, on a fait ça chez Michel Lafon, voilà, c'était pour se moquer gentiment de Jean-Pierre Raffarin. Là aussi... Faudrait que je lui présente mes excuses d'ailleurs à Jean-Pierre, parce que, en fait... Ça ne se vend pas trop. Non. Et même dans votre vie professionnelle aussi, j'ai envie de dire que c'est pas top, parce que je l'ai matérialisé avec cette photo. Avec ce visage. Maître Nathalie Carrère, c'est l'avocate de Servier. Exactement, parce que vous commencez à sortir un scandale en France. Eh bien, vous êtes attaqué. Racontez-nous, raconte cette photo. Vous avez montré tout à l'heure la une du Parisien, c'était sur l'isoméride. L'isoméride fabriqué par le laboratoire Servier, utilisé comme coupe-fin, c'était l'ancêtre du Mediator. Le Mediator, c'est l'isoméride bis. Bon. Et à l'époque, je sors un rapport confidentiel qui révèle qu'il y a 35 morts déjà. Je me fais attaquer, mais ça, c'est la règle du jeu. Vous êtes journaliste d'investigation, si vous n'avez pas de procès en diffamation, c'est comme un joueur de foot qui n'aurait pas de fracture au tibia. Quoi. Ça veut dire que vous mouillez pas le maillot. Quoi. Donc, je me fais attaquer en diffamation, et puis je me dis, tiens, je vais aller voir ce que ça donne. C'était mon premier procès en diffamation. Et là, ce tribunal de Nanterre, cette femme, belle femme, avec du charisme et tout, et qui me traîne dans la boue, j'étais la honte du journalisme, j'étais une sous-serpillière, j'étais une sous-merde, et je sors de là en me disant, mais je suis vraiment... putain, ça va mal. Voilà. Et ça va même plus loin, parce que... Mais il y a les livres qui marchent pas trop, on vous attaque, vous êtes dans une période un peu creuse, quand même, à l'époque. On est en 2002, vous dites, moi, j'arrête ça. Alors, voilà, ce qui se passe, il y avait aussi que toutes les affaires, les grandes affaires de santé publique, se vautraient en justice. On n'avait pas les condamnations qui allaient avec l'ampleur des crimes. Donc je me suis dit, mon métier, ça sert à rien. Ça sert à rien de révéler des choses. Si c'est pour finir, c'est du pipi de chat en termes de justice. Donc, et même pour moi, je commençais à devenir parano. Vous savez, quand vous êtes journaliste d'investigation, souvent, vous commencez à voir le monde noir.
des ennemis partout, et c'est là où il faut faire attention. Et moi, je sentais que je devenais parano, je me suis dit, oula, et j'ai demandé mon transfert dans une autre rubrique. Et là, vous allez rebondir d'une façon magistrale, mais c'est pas là qu'on va en parler. C'est là-bas. Allez, venez avec moi. Eric. Hop. Et une fois de plus, les photos vont parler. Et oui, on est à l'aube des années 2000. Et à l'aube des années 2000, il y a un rendez-vous en terrasse. Oui, Jacques Ravenne. À cette époque-là, Jacques Ravenne, c'est simplement l'ami de Toulouse. Oui. L'ami de Toulouse avec qui vous faisiez les 400 coups. Vous avez cherché le trésor des Templiers. Vous en avez cherché des trésors avec Jacques Ravenne, d'ailleurs. Hein. Vous n'avez rien trouvé sauf l'amitié, c'est lui, le fameux Jacques. Voilà. Et avec Jacques, effectivement, vous n'avez jamais coupé le fil, jamais rompu le fil. Et qu'est-ce qui se passe là, à cette terrasse de brasserie parisienne? On est à l'aube des années 2000. Vous avez enchaîné les échecs, ouais, plus voilà. ou moins. Oui, en fait, moi j'avais sorti des articles sur la franc-maçonnerie, sur les dérives de la franc-maçonnerie, sur la Côte d'Azur. Ouais. Les affaires de corruption, d'abus de biens sociaux, etc. C'est à l'époque où la franc-maçonnerie en prenait plein la gueule. Ouais. Et Jacques, lui, il était professeur, il était dans le Lot, me disait « Mais arrêtez, vous les journalistes, vous nous salissez, on n'est pas tous pareils et tout. » Et puis on se revoit, il m'engueule, et puis il me dit « Mais ça suffit. » Et puis voilà, on se prend une cuite. Et à l'issue, le lendemain, on s'est dit « J'avais déjà écrit un polar. » Et si on écrivait un polar avec un héros franc-maçon, un policier franc-maçon, et on montre à travers ça à la fois notre passion pour l'ésotérisme, les grands mystères, les Templiers, et à côté de ça, on décrit le travail d'un maçon en loge. On a eu une chance incroyable, on est sorti un an après le Da Vinci Code, qui avait ouvert la voie au thriller ésotérique. Et là, ça a été un carton dès le début, on a été publié dans 11 pays dès le début, alors qu'on sortait de nulle part. Donc Fleuve Noir, et l'éditrice de l'époque, Béatrice Duval, disait « mais il faut continuer, vous avez quelque chose là, allez-y ». Et voilà. Et C'est un flair incroyable que vous avez tous les deux. Vous êtes surpris par votre succès, parce que vous en vendez des centaines de milliers des rituels de l'ombre. Hein. En fait, moi j'avais un métier, j'étais journaliste au Parisien, donc c'était, Jacques aussi était professeur. On a fait un bouquin, ça devait s'arrêter là. Et on en a fait un deuxième, un troisième, et puis à un moment donné, ça a été le succès. C'est le succès qu'on connaît, parce que voilà, j'ai les trois derniers là. Oui. C'est toujours un peu des pavés, parce que c'est passionnant à lire. Ouais. Effectivement, quand on commence les premières pages, automatiquement on va à la fin. Il en sort deux par an. Alors voilà, il en a sorti deux par an, cette année, il y en a qu'un, l'année prochaine, il y en aura. Mais globalement, c'est votre. Pourquoi c'est ce rythme soutenu comme ça? Vous savez, quand vous êtes deux, c'est comme si vous écriviez pour ça. Un livre. Donc voilà, on est à 50-50. Donc non, là-dessus. Mais parce que c'est un domaine tellement fascinant. Et puis vous savez, nous, nos lecteurs, ça leur permet de s'évader. Il y a cette passion des mystères et du secret. Et pour le développer, cet imaginaire, effectivement. Il y a là, ça aussi c'est une recette du succès. Vous écrivez effectivement à quatre mains. Alors le principe, hein, c'est on est dans le présent et dans le passé. Le présent, c'est vous qui vous en chargez. Et le passé, c'est Ravenne. Mais ce n'est pas un hasard si j'ai mis ces petites grottes là. Ça, c'est un principe que vous avez. C'est une... Qu'est-ce que c'est de... Ça, c'est une grotte qui est située à Majorque, la pointe sud-ouest, peu connue des touristes. C'est une île assez touristique. Et moi, quand j'écris, quand j'ai besoin de me mettre dans une atmosphère de mystère, je dois être dans un endroit qui sécrète le mystère. Voilà. J'ai besoin de ça. Alors, j'ai quelques spots comme ça, un peu partout, en France, à côté de Paris, mais aussi à Majorque et aussi en Angleterre. J'adore. Ça me ressource, ça me revivifie. Peut-être y en a-t-il en Corse, je ne les connais pas encore. Bah écoutez, il tiendra qu'à vous de venir les découvrir. Je pourrais vous aider à en trouver un ou deux. Quoi qu'il en soit, ça se vend à combien d'exemplaires chaque Ravenne Chaque, on doit être entre 50 et 60 000. Quand et même. En poche, on doit être à, je sais pas, 80 000, quelque chose comme ça. Voilà. Et ça ouvre des perspectives, ça ouvre des portes. Et ça permet même le succès. Vous allez me dire si je me trompe. La vengeance. Et la vengeance, elle est là. Le médiator. Le médiator, ouais.
Ça, c'est retour, bah, ce retour à la case parisien. Voilà, ça m'était resté en travers de la gorge, cette histoire d'isoméride. Ouais. Que j'avais, voilà, je trouvais ça mais scandaleux, tous ces gens, particulièrement des femmes qui mouraient pour des quelques kilos, seulement une poignée de kilos. Voilà, il se trouve qu'Irène Frachon, la lanceuse d'alerte du Mediator, elle avait connu mon travail sur l'isoméride. Moi, évidemment, c'était déjà Irène Frachon. On a sympathisé et on s'était toujours dit qu'il fallait relier les deux affaires. C'est une BD d'utilité publique, ça. Ouais. Tout le monde devrait la lire. C'est extraordinaire, Eric. Extraordinaire, vraiment. Je pèse mes mots, ça se lit d'une traite. Il faut quand même deux bonnes heures pour la lire, mais extraordinaire, extraordinaire. Et ça permet la vengeance. Et puis ça permet de renouer avec les racines de façon un petit peu bizarre aussi, Mediator. Parce qu'il ne nous a pas échappé qu'il y a une petite photo au milieu, là. Alors ça, c'est Jean-Philippe Seta. Ça a été le numéro 2 de Servier pendant il y a une dizaine d'années. Et qui se retrouve sur le banc des accusés au procès en appel du Mediator. Voilà. Et il se trouve que... Il est corse, hein, il le revendique, c'est-à-dire dans les auditions, il met en avant son statut de corse, voilà, en disant, vous savez, moi je suis impulsif, mais je suis corse et tout. Et là, je me suis dit, mais que vient faire la Corse, la corsitude là-dedans, quoi. On n'est pas là. La Corse, ben la Corse, justement, elle va se rappeler à vous aussi, ben, rien d'étonnant, hein, avec ce genre de festival, les premières rencontres autour du livre maçonnique. Vous étiez invité guest, hein, Jacques Ravenne, Éric Giacometti, parce que effectivement, dès qu'il y a de la franc-maçonnerie, maintenant, on vous appelle, et notamment dans ce genre de rencontres. Hein. Mm-hmm. Alors moi, je ne suis pas maçon. Hein. Vous n'êtes pas tenu de le croire, je ne le suis pas. C'est mon co-auteur qui l'est. C'est pour ça que nos livres ont du succès, parce que j'ai une vision un peu parfois impertinente de la maçonnerie. Mais clairement. L'un dans l'autre, on va dire que je suis maçon-friendly. Vous savez, il y a Gay Friendly, je suis maçon-friendly. Voilà. Donc ils le savent. Ils le savent, il n'y a pas de soucis. Mais quand même, il y a des dérives, il y a des choses qui sont pas nettes. Bon. Donc voilà, on est invité. Et c'était Salon du Livre maçonnique en Corse, d'excellents souvenirs. Donc j'ai pris connaissance, j'ai rencontré des maçons corses. Et j'ai découvert que la Corse était une terre maçonnique. C'était incroyable. Vous avez donné, la Corse a donné 10 grands maîtres récemment. Et il y en a un qui a été invité ici d'ailleurs, hein, Michel Barra, qui est venu grand ici. Bonhomme. Exactement. Grand bonhomme. Ouais. Voilà, donc c'est des... Non, et je sais pas, je crois qu'il paraît qu'il y a 4000 maçons sur l'île. Alors répartis... Peut-être, je suis comme vous, moi, je suis pas maçon, moi, donc je suis comme vous. Vous le dites, mais en fait, c'est comme moi, mais personne ne peut deviner si on l'est ou pas. Mais la Corse, peu à peu, revient dans votre univers, j'ai l'impression, Eric. Et ça sera la dernière image de l'émission. Ce serait peut-être une image pour le futur, mais vous allez vite comprendre pourquoi je mets ça. Celle-ci. Pascal Paoli. Oui. Et le Congrès aux États-Unis. Et en fait, je mets ça parce que je pense que ça pourrait vous donner l'idée d'un livre. Parce que quand je vous ai appelé pour vous faire venir dans cette émission, assez rapidement, vous m'avez parlé de votre fascination pour ce personnage de Paoli. Oui, que j'ai découvert tardivement. Honnêtement, j'étais inculte sur le bonhomme. Mais comme la plupart des à l'école, quand c'est à l'école, ou du moins sur le continent, on n'apprend pas qui est Paoli, on apprend Napoléon. Okay. Et donc, je n'ai découvert que tardivement quel avait été son rôle, son action. Et je me suis dit, et en revanche, j'en ai entendu aux États-Unis. C'était à Boston. Et du coup, je découvre, et grâce aux maçons corses, lors du Salon du Livre, qui m'ont parlé de Paoli, bah, du coup, je me suis renseigné, je me suis documenté, je me suis dit, mais on est complètement passé à côté de ce livre. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas... Alors, pas de livre, parce que je pense qu'il y a des gens beaucoup plus experts sur Paoli, sur la Corse, et ce serait une imposture si je m'en empare, mais une série. Il faut faire une fiction là-dessus pour rendre ce qu'il a fait accessible. Parce qu'on peut dire, vous êtes vraiment... réconcilié avec la Corse ces dernières années, quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous savez, c'est comme, vous avez un jardin, je vous ai parlé de cet arbre généalogique que j'ai scié, que j'ai coupé la tronçonneuse. Bon. Ben, entre-temps, dans ce jardin, il y a de nouvelles plantes, et puis il y a la statue de Paoli, il y a la statue de Simoni, il y a mes potes qui sont ici. Et tous ces gens-là m'ont fait re-aimer à nouveau la Corse, mais apaisé. Voilà, là, j'ai pas de compte à régler avec mon enfance, ni quoi que ce soit. Et je me dis que s'il y avait une chose à faire, ouais, sur Paoli, mais je pense que d'autres auront cette idée, ils n'ont pas besoin de moi. On souligne quand même, hein, le dernier Largo Winch, encore un succès, parce que maintenant, les succès s'enchaînent. Hein. Largo Winch, maintenant, c'est carrément Philippe Franck qui vous a choisi, vous, Éric Giacometti, pour faire le scénario de Largo Winch. Voilà. Et ça, c'est une des BD les plus vendues de France. Oui, absolument. Hein, ça marche bien. Le milliardaire 300... rebelle. Ouais. Ouais, c'est 350 000. Il y en a 350 000 voilà, comme ça qui sont vendus à chaque fois. Bravo, Eric. Allez, on fait la dernière photo. La dernière photo, c'est moi qui l'ai fait. C'est un selfie. Venez à côté de moi. Voilà, un beau sourire. Et voilà. Ça a été un véritable plaisir de vous découvrir, Eric. C'est vrai. Et puis de voir que vous allez venir de plus en plus souvent. Et ça m'a ému. Et franchement, je vais vous le dire. Hein, c'est voir sa vie défiler comme ça.
À bientôt alors. Mon cher Luc. Alors à bientôt quand vous revenez. Hein. Et vous m'appelez. Ok. Et comment. D'ailleurs, vous ne voulez pas un rôle dans le prochain Paoli, si vous voulez. Allez, au revoir. Te laissez par là.